Bonjour à tous. Bonsoir. Ouais, bien entendu, hein. Donc on est tous au Festibrique en fait, hein. Et donc l'équipe de Benifix et BenicLegends.com, voilà. Et donc on tenait à faire une petite vidéo spéciale vous montrant tous les mocs qui ont été faits lors de l'atelier construction du salon, voilà. Fait, ça. Par nos petites mimines et aussi celles de ceux et de celles de visiteurs qui sont... en gros qui sont venus. Donc il y a quand même des démontés, hein, parce qu'il fallait tenir deux jours, donc il y a des mocs démontés. Voilà. Mais on a gardé ceux qui nous semblaient être de bonne facture, voilà. Et donc on va faire une vidéo là-dessus. C'est ainsi que les mocs un peu nazes de Nazmec aussi, mais bon. Merci, le jeu de mots était très difficile. Et la fin, ah. Voilà. Enfin bon. Mais on commence de gauche à droite, hein. Ouais. Bah alors, exactement. On commence par. certains Vaki Reactor numéro 2. Allez, ah, ouais. Je pense que c'est un mock philosophique qui se tient la tête. Ouais, il pense. Qui se tape la tête. C'est le penseur de Rodin version Grunic. Ouais, voilà, le penseur. Voilà. Donc voilà, on l'oublie. On l'oublie. On l'oublie. Vrai mock. Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai gars de l'espace, s'il vous plaît? Oui. Non, c'est pas un gars de l'espace. File-moi plutôt ton mock. Ça. Donc, oui, ça. D'accord. Donc on va commencer avec un mock non fini de l'ami Peter Bionic là. Que vous avez vu déjà, hein, ce beau gosse. Mon petit Pierrot là, voilà. Donc c'est un mock qui est non fini car il n'a pas de jambes comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs il a volé la tête à quelqu'un. Hein, Inspiration, elle est stylée. Voilà. Il a bien aimé donc il a pris. Oui, vous retrouverez la tête. Vous retrouverez la tête plus tard autre part. Ah, il a changé la roue par contre. On vous montre juste vite fait. On vous montre un petit tour, voilà. Un petit turn around, vous aimez turn around. Surtout quand c'est mal cadré. Ah, vas-y. Voilà. Allez. Exactement. Et on tient à dire tout de même que Marek bosse comme un fou à côté pour faire des présentations. Hein, donc, t'as rien à dire de plus dessus. Donc vous faites des applaudissements devant votre PC, okay, pour Marek. Hein. Allez, prochain guerrier de l'espace. Ouais, c'est un guerrier de l'espace à roues en fait, voilà, apparemment. Oh, il est beau. Donc, c'est le AVAC mobile. Recyclé. C'est AVAC véhicule, voilà, donc AVAC voiture qui a 4 roues et qui a une tête d'AVAC. Il voilà. A peut-être un nom, non ? Non, AVAC véhicule, voilà. Ah, ok, d'accord, c'est magnifique. Le prochain, c'est celui de Shadow qui l'a fait. Rapidement, oui. Voilà. Ça donc, bien, c'est pas très intéressant. Je hein. Sais pas. Bon, moi je vais Et donc, il y a. Tu nous redonnes ton pseudo, s'il te plaît. Rorak. Qui nous quitte pour le moment. Et donc, bah, bonne soirée. Hein. Ah, vous aussi. Et merci. Bonne année. Bonne année. Avant qu'ils enchaînent, qu'ils enregistrent ça en public. Oui. Ouais, et que tout le monde nous regarde. Forums, donc, tout le monde donc, regarde. Donc, dégage. Non, je rigole. Voilà, prochain mock, je ne sais pas qui c'est, d'un visiteur, il n'a pas dû finir visiblement. Un visiteur. Je ne sais pas trop si c'est une araignée en fait. Oh. Est-ce qu'on doit mettre la tête comme ça? Ah oui, je ne sais pas, et ça aurait été intéressant, je pense. Hein. Tout à fait. Alors, voilà. Transformers, Mans and Mid. On pourrait dire que c'est une sorte de Manaco. On pourrait penser qu'il manque une pièce. Dans très vite, en plus une visera. Voilà. On pourrait penser qu'il en manque une. J'en prends les trois suivants. Non, mais c'est juste qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas. Là, ah, alors là, il y a des choses à dire sur les ailes. C'est là, une version améliorée. Une sorte alors, de boxeur, on va pas être trop méchant parce qu'il est en train de bosser là, mais c'est un mock de Marek. Plus tard, les gars, l'espace. Je pensais qu'ils étaient avec. C'est un mock de Marek. Ça, c'est un mock d'un. Il a les pattes qui sont comme ça, je crois. Oui. C'est un peu compliqué, c'est un transformer enfin, pas transformable. Ah d'accord. Oui, il a voulu. C'est le train chrome qu'on cherchait depuis des années. Bon oui voilà, enfin oui. C'est violent. Il a voulu mettre des pales, par contre on retiendra juste ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est pas sympa. Non, en fait, j'aime bien les roues, mais en fait, j'aurais pu les faire tourner, je pense, en mettant une pièce ronde là, tu vois, avec un trou rond. C'est un peu dommage, mais normalement il a une belle tête quand il tient. Oui, voilà. Quand elle tient. On l'aime bien. On l'aime bien. Ensuite, on va sortir les trois guerriers de l'espace en même temps, je trois pense. Trois guerriers hein. De l'espace. Donc, trois matériels qui ont été faits par deux personnes, je crois. C'était hier, samedi. Voilà. Donc, j'allais dire les trois couleurs primaires, mais le vert n'est pas une couleur primaire. Oui. Donc on a... Ils sont sympas. Ils ont une base avant tout de Voyatoran, je dirais, à la perruque. Oui, c'est à peu près la base voilà. De perruque, en gros. War Batav, qui joue les doubles connecteurs longs. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que... Il n'y a pas grand chose à dire à part que en gros là le rouge c'est une tête sur patte en fait. Hein. On file un suivant là, filez-moi un suivant. Non, j'ai filé pris deux. Ouais. Une sorte de créature donc, que j'aime beaucoup. Une sorte d'oiseau en fait. Hein. J'aime bien sa tête. Ah non, pas bah, en fait, c'est ce qui m'a le plus
donné envie de faire la vidéo. C'est, j'ai pensé à ça, je me suis dit, hey, pourquoi on ne fait pas une vidéo avec tous les mocs? Ouais, effectivement. Parce qu'il est sympa, quoi, il est sympa. Il est vraiment chouette, je trouve. Allez, interlarante. Il a été créé par un visiteur du salon, celui-là. Voilà. Donc, si vous êtes là sur YouTube à nous regarder, laissez un commentaire. Il a un chouette corps en plus. Allez. Alors, ça, il me semble que c'est Prince. C'est d'ailleurs le créateur. Non, c'est toi, Liwan. C'est toi, Liwan, excuse-moi. Je vous comprends toujours. Hein. Vous êtes tous les deux bouclés. Donc. Et il y en a un qui parle et qui parle et qui parle derrière là. Donc lui il a une base unique hein. Il a vraiment une base chouette. Ah ouais là franchement c'est du bon boulot quoi. D'ailleurs son créateur qu'on voit à la caméra hein. Oh c'est mignon là. Caché par la tête de sa création. Oui la tête donc. La tête donc qui a été utilisée à nouveau sur notre personnage. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Son frère jumeau. Hey, ils vont finir dans l'univers Skype là, je le sens bien. Cela dit, la tête a été plagiée une fois, n'hésitez pas, copiez-la. Ah, comme voilà. D'autre manière, c'est déjà mort donc. Un mob de print. 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 Ah, print of feu, vraiment? Non, print. D'accord. Donc, je pense que quand même, ça doit être le plus original de tous ceux qu'on a. Hein. Effectivement. Parce qu'il ressemble à rien de très connu en fait. Hein. C'est ça, oui, en effet. J'aime bien ça. C'est ça, j'aime bien quand il a recouvert les trucs. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée en effet. Non, ça par contre, c'est pas cadré, mais on n'a rien vu. Ouais, mais niveau couleur, c'est bon. Hein. On n'a rien vu. C'est comme ce petit droïde dans Star Wars. Effectivement, oui. Oui, le droïde qui détruit les véhicules dans le début de l'épisode 3. En effet. Allez. Tout à fait. Alors, un mot qui était fait par un membre dans mes forums, j'ai plus son nom. Il n'était pas là. Enfin, il n'est plus là. Plus rayé, tu sais. Blond. Ouais, du coup. Et si on se trompe, qui nous corrige. Voilà, il a commencé un petit temps comme ça. Donc, on applaudit. Avec des ailes. Je pense que c'est dans l'autre sens. Ok, ouais, bah, tente. Donc en fait, hop là, petit problème des caméras. Un mob de Nazmé, ça sont les aléas du direct. Ouais, ça c'est Marie qui a fait, ça c'est basé sur des instructions apparemment d'internet. Hein. Oui, encore copié. Et donc, je l'ai customisé, je l'ai amélioré. Alors, Marek qui nous rejoint, merci de nous avoir aidé tellement déjà. Je tiens à dire tout de même. Non, franchement, vraiment merci de nous avoir. J'étais occupé. Voilà. En montant des Rubik's Cube. Voilà. Alors, en fait, donc ça, c'est le Portal Gun qu'il a trouvé et modifié. Voilà. Et ça, c'était un mode de Nazmec. Amélioré, je tiens à préciser. D'accord. Amélioré donc. Et donc il fait le robot à partir du Portal Gun. Voilà. En gros c'est ça. Et donc en fait pour qu'il puisse l'accueillir quoi. En quelque sorte. Donc très sympathique, hein. Franchement, je suis impressionné personnellement. Il n'aura les voilà. Clans, ni Atlas, ni Peabody. Il y en a un qui vient de le. Celui-là tu peux le ranger, hein, tu peux le ranger. Tu vois, c'est méchant. Enfin oui, un mug assez sympathique. Hein. Bah, je crois qu'il va te servir avec lui en fait. J'aime bien les guns dans le dos, je trouve ça assez cool. En fait, alors, je tiens à dire quand même que le sniper est assez sympa vu qu'il a un œil viseur en fait, hein, le mec. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Comme tu disais, j'aime bien les énormes armes dans le dos d'ailleurs. Je vois même pas comment il a obtenu les trucs Kordak parce qu'on n'en avait pas amené normalement. Si, c'est dans les rouges. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais en fait, je croyais qu'on les avait pas amenés, en fait. On va enchaîner. Des guerriers de l'espace. Ouais, on continue avec d'autres guerriers d'espace. Hein. Alors ça, c'est... Donc en fait, c'est un croisement Tortue Ninja, guerrier de l'espace... Yakuta, effectivement, c'est une espèce de carapace. J'aime bien la carapace dans le dos, c'est assez ouais, cool. Ouais, c'est dommage que le rouge soit pas trop autre part, quoi. Voilà. Franchement, très beau. Mais il y en a qui parlent pas. Hein. Mais c'est pas grave. À la fin, vous allez être obligé de faire quelque chose parce que je vais tous vous montrer à la caméra. Donc, c'est pas très grave. On en parlera. Ce que Trump dit depuis exactement 9 minutes, quoi. Alors, donc ça, c'est un autre mode de Nazmec. Hein. Qui est en gros, on va dire, bon déjà schéma de couleur rouge-noir. Où sont les armures hein. Où sont les armures? Mais c'est volontaire, mais c'est volontaire. C'était prévu depuis le début. D'accord, ok. Et encore une fois, j'aime beaucoup le... Ta gueule. J'aime beaucoup le...
Le Radiac, enfin le masque de Radiac en effet. Voilà. Ainsi que le dos en. J'aime bien l'endroit en tête de Mantax. J'aime bien le dos en tête de Mantax et le pied qui est pété, donc qui vient nous lâcher en pleine vidéo. Wow. Au revoir. Hein. Les designers, si vous nous écoutez, merci de le refaire parce que je sais que vous le refaites. Lego, en bonne plus, qualité toujours. Ça hein. A l'air vachement compliqué à le remettre. Hein. Non, non, mais oui, il, là, il est pété. Il est pété. Donc, tu sais quoi, tais-toi, quoi. Il reste deux mocs, vas-y. Donc, vas-y, passe-moi le grand Firelord, s'il te plaît. Alors, comment là, c'est quoi ces chiffres? Nuper Rouge, 156, si je dis pas de bêtises. 555, je crois. Enfin, j'ai mis les flammes, j'ai mis ça. Printf, alors j'ai les flammes, bien sûr. Ça fait tout le mock, sinon le mock sur les Firelords. Les doubles jambes à ce niveau-là me rappellent beaucoup les Kaïta, je dois dire. Je trouve que la base, là, elle est réussie. À part sur les têtes et hanches, là. Et les bols jaunes vides. On sent les pièces de vitrine aussi avec la colle. Oui, on sent les pièces pleines de colle. Hein, et c'est ça qui rend le mock intéressant en fait. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. On a fait des symboles originales. Donc voilà, il y a encore Marek qui passe là, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, le masque, et enfin, donc un mock qui est malheureusement incomplet. Et qui vient d'un exposant, je crois. Oui, c'est trop de Il me semble que c'est un. Non, c'était Geek, il me semble, à la base, non? Ah, c'est toi et c'est Geek ensuite qui a rajouté les pièces, je crois. C'est les Geeks. Ah, non, c'est tout moi, ça. Ah, c'est tout toi, d'accord, excuse-moi. Et en fait, tu pouvais pas le terminer parce que tu n'avais plus de connecteur. En fait, il s'est gavé. Là. Dark Nougat, je crois, ça s'appelle. Ouais, non, c'est pas très. C'est pas très important. Et donc, je pense qu'on le Si tu nous l'autorises, on le complétera nous-mêmes, vu qu'on a d'autres connecteurs chez lui. Excuse-moi. Ouais, c'est le coup de cœur de Shadow. Ah, ouais, personnellement. Il est très original, hein. Avec la magnifique tête de Size. Hein. Il envoie du bois, quoi. Ouais, il envoie du bois, en effet. Mm. Et donc, je vais faire un dernier petit. Et ensuite, je vais. Un dernier petit. Alors, on va. Histoire de. Voilà. Vous avez déjà fait la. Attends, il faut avec, le voir. Avec. Notre superbe Peter Bionicle ou Pierre, hein. Non, mais il avait pas avec le penseur de Rodin, en effet. Donc, toi, Ali One, hein, ou Victor, c'est ça? C'est ça. Donc, Printf, qui est. Printf. Comment? Rémi. Rémi, excuse-moi. Donc, Rémi. On n'en a pas parlé, en effet, mais c'est pas très grave, il est pas complet en fait. Mais là, on présente pas très bien. Là, c'est tous ses fans. Donc, là, c'est un truc. Jedi Master 134. Ça, c'est dégueulasse. T'as intérêt à trouver mon nom. Jedi Master 134. Toi, t'es. Une bonne vidéo. Victor, non, il me semble. Oh, pas encore. Non. Je suis pas vous, non. Non, t'es un putain de Kevin. Un putain de Kevin du net. Voilà, c'est ça. Et c'est genre. C'est quoi ton pseudo déjà? C'est Jedi Master 134. Et encore Pierre, parce qu'il aime bien se rajouter à la vidéo. Peter Bionic. Exocis avec toujours ses lunettes. Morgane. Matoro 85, donc 50 millions de fois Marek, Lozer qui va en gros plan, j'ai l'espace. Voilà, Maxilos avec un nombre 138 je crois, 147, 147 c'est presque ça, à 9 près, on a Nazmec, hein, notre beau Henri. On a un autre exposant qui avait envie de participer à la vidéo. Dominique, tout de même. Je serai connu sous le pseudo d'Aoru sur les forums. Et ben voilà. De quoi? Donc bienvenue si tu viens dans ce cas-là. Bah, on a déjà parlé de toi, donc on va pas te remontrer. Et puis il y a moi aussi. Hein. Tiens, je sais pas si on m'a vu, mais c'est pas grave. Vaut mieux pas de toute manière. Donc voilà, ça c'est fait. Oh, oui. Non, je l'ai déjà montré. Attends, pas deux fois quand même. Hein. Peut-être pas exagéré donc à 3 de la vidéo je pense. Ouais. À 3 on dit tous guérir l'espace. Oh oui. Et on se quitte là-dessus, allez. 1, 2, 3. Guérir l'espace. Guérir l'espace. Guérir l'espace. C'est gueule.